Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Alison. Il raconte qu'il est mort et a visité le royaume de la lumière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage d'Alison. J'étais en train de conduire seul lorsque, sans avertissement, je me suis assoupi au volant. J'ai été réveillé avec la voiture hors de contrôle, déjà loin de la route. Le véhicule a traversé les voies et s'est finalement arrêté avec les roues gauches dans un petit fossé. Personne n'a été blessé, et la voiture n'a subi que des dommages mécaniques mineurs. Ce n'était pas une situation de danger de mort, mais cela a été marquant. Je ne peux pas préciser le moment exact où s'est produite mon expérience de mort imminente, mais après l'accident, j'ai eu un souvenir vivide de quelque chose d'extraordinaire. Je n'étais plus dans la voiture, le temps semblait figé ou inexistant. Je me sentais complètement calme, en paix et lucide. J'étais simplement « conscience ». Je n'ai rien vu, mais j'étais dans une autre dimension, où je n'ai vécu que des émotions et des pensées. À ce moment-là, j'ai compris la fin de ma vie sans drame, regret ou résistance, seulement avec acceptation et sérénité. J'ai eu un instant de divertissement en pensant, comment cela se peut-il? Qui aurait imaginé que je mourrais à l'âge de 44 ans, loin de chez moi, de manière si banale? Je reconnaissais ma mort comme une transition naturelle et commune, où la vie se terminait, mais je étais toujours là, prêt pour quelque chose de plus. Dans cette paix, la seule pensée douloureuse était celle de mes proches et de la façon dont ils feraient face à ma perte. J'ai eu l'impression de vivre la mort sans réellement mourir, et ce n'était pas comme perdre une vie dans un jeu vidéo. Souvent, les scientifiques essaient d'expliquer les EMI comme le résultat de changements fonctionnels dans le cerveau pendant le processus de la mort. Cependant, mon cerveau n'était pas en état critique, je n'étais pas en train de mourir, et pourtant j'ai eu une EMI. Par conséquent, je crois qu'il y a plus que cela. Cela conclut notre première expérience. Maintenant, passons directement à la deuxième. Cela s'est produit en 1995, lorsque je travaillais de nuit, de 23h à 7h ou 7h30. Cet incident s'est produit il y a environ 27 ans, lorsque j'avais 22 ans. De temps en temps, je sortais avec des amis après le travail et nous nous amusions. Un collègue de travail, qui était également un ami depuis le lycée, est passé chez moi. Nous buvions de la bière, fumions de la marijuana et utilisions des « whippets », qui consistent en l'inhalation d'oxyde nitreux. Il est possible que nous ayons également consommé d'autres substances illicites ce matin-là, avec tout le reste. Cependant, ma mémoire est floue à ce sujet. J'ai le sentiment que l'oxyde nitreux a déclenché mon EMI. Ce n'était rien de nouveau pour moi ni pour mes amis. Je me suis évanoui comme d'habitude, mais ensuite je suis sorti de mon corps. Lentement, j'ai commencé à flotter vers le coin de la pièce. J'ai vu une lumière intense et blanche au loin alors que je montais le long du coin de la pièce. J'ai passé ce qui était probablement Jésus ou Dieu, je ne suis pas sûr de qui c'était, mais il avait les cheveux longs gris blancs et une longue barbe. C'était exactement comme j'aurais imaginé un Jésus plus âgé si j'avais demandé à quelqu'un de le dessiner. En passant devant lui, j'étais sur un nuage, observant mon propre corps. Je pouvais tout voir dans la pièce ainsi que la lumière blanche au loin. Mon corps est resté immobile pendant que je regardais mon collègue de travail assis dans la chaise, au milieu de célébrations. Ce qui ressort à ce moment-là, ce sont les sentiments que j'ai éprouvés en flottant sur ce nuage, en observant mon propre corps. Il n'y avait pas de peur ni de douleur, mais plutôt leur opposé. C'était un amour incommensurable, mille fois plus intense que tout amour que j'avais jamais ressenti. C'est une sensation indescriptible en mots. Tout était paisible, sans le moindre bruit. Seul l'amour et la paix régnaient. Tout en fixant mon regard sur mon corps, une question a surgi silencieusement dans mon esprit, sans besoin de mots. On m'a demandé si je voulais rester là ou revenir. Tout s'est passé rapidement, car dès que j'ai choisi de revenir, j'ai été instantanément transporté vers le bas. J'ai traversé un tunnel ou une sorte de cône sombre et profond, initialement large. Cependant, à mesure que j'avançais, le tunnel se rétrécissait jusqu'à devenir aussi fin qu'une épingle. Un fort bruit retentit, et à ce moment-là, je suis revenu dans mon corps. Assis,
J'ai immédiatement demandé à mon ami combien de temps s'était écoulé depuis que j'avais perdu connaissance. Il a répondu, pas très longtemps. Bien que cela semble avoir duré plus longtemps là-haut, cela fait 27 ans et cela reste vivide dans ma mémoire. Cette expérience m'a transformé profondément. Depuis lors, je suis devenu spirituel, car je crois que nous sommes tous sous la surveillance de nos créateurs là-haut. Toutes nos pensées et intentions leur sont connues. À partir de ce moment, j'ai commencé à m'éloigner progressivement des substances narcotiques que je consommais et à me distancer des énergies négatives qui m'entouraient. Je ne suis pas parfait, mais je m'efforce d'avoir les meilleures intentions et d'être vrai et honnête dans tout ce que je fais. Depuis cette expérience de mort imminente, j'ai l'impression d'avoir été ouvert à des expériences que je n'aurais peut-être jamais vécues autrement. Par exemple, à des moments aléatoires, je sens que mes sens s'amplifient, ce qui entraîne des visions ou des pensées qui se réalisent immédiatement ou à la fin de la journée. Environ 1 ou 2 ans après cet incident, j'ai eu l'occasion d'apercevoir un ovni. Il y a quelques années, ma femme et moi avons observé des orbes dans notre jardin. J'ai eu des expériences étranges, comme la paralysie du sommeil accompagnée d'une silhouette sombre. Je me considère chanceux d'avoir vécu de nombreuses choses qui semblent sceptiques ou inaccessibles pour beaucoup. Je suis le genre de personne qui ne croit en quelque chose que lorsque je le vis personnellement. Je peux affirmer avec une totale conviction que les histoires de lumière blanche tourbillonnante, de flottaison dans le coin de la pièce et de communication télépathique sont réelles en ce qui concerne les expériences de mort imminente, car j'ai vécu toutes ces choses. Et donc, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous voulons apporter à davantage de personnes l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.